douane. Assurer la fluidité du passage à l'aéroport. La réalisation du plan stratégique de la douane s'accélère avec ses 31 projets de modernisation. Fluidifier le passage en douane à l'aéroport fait partie de ces réformes, a souligné le directeur général de la douane, Zavanalekan Ernest, lors d'une séance de travail ce matin dans le cadre de l'accord de facilitation des échanges. En tant que voyageur, chacun est tenu de respecter les règles et procédures douanières à l'entrée et à la sortie du pays. Donc c'est dans l'objectif de fluidifier le passage en douane à l'aéroport. Ça faisait partie de notre plan de réforme. Donc c'est de trouver un moyen de sorte que les gens, quand ils vont passer, quand ils débarquent de l'avion, ils vont faire leur formalité quand ils vont passer à la douane. On voulait que ce soit le plus fluide possible, le plus simplifié possible. La pratique avant, c'était qu'on faisait des profiling, donc on détectait les personnes appuyées qui doivent passer par les scanners. On n'avait pas un moyen pour savoir qui a quelque chose à déclarer. Même le fait de poser la question, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Donc c'était la pratique avant. Maintenant, avec cette nouvelle outil, il y aura la traçabilité. Si quelqu'un, s'il n'a pas quelque chose à déclarer, ils peuvent directement partir. Mais par contre, sa déclaration est là. D'accord? S'ils ont quelque chose à déclarer, on a simplifié la procédure pour que cette déclaration se fasse d'une manière très simple et très simplifiée et qui se fasse vraiment à un temps très très rapidement, moins de 5 minutes. On sait très bien quand quelqu'un voyage, s'ils ont quelque chose qu'ils doivent déclarer, donc des marchandises qui n'est pas couvert par leur droit qui est admis en franchise, à ce moment-là, ils doivent faire la déclaration. Maintenant, tout ça est manuel. Maintenant, on veut que ce soit digitalisé pour offrir plus de transparence et plus de rapidité dans le traitement. Une présentation des outils de facilitation de la plateforme e-tarif, de l'application déclaration en douane MDG et du guide du passage en douane a caractérisé cette séance de travail. Le directeur général de la douane de l'île de La Réunion a participé à cette séance. Edgar Razafndjavaï, élu 10e secrétaire général de la COI. Le Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien COI a approuvé à l'unanimité la candidature d'Edgar Razafndjavaï au poste de 10e secrétaire général de la COI. Le vote s'est déroulé en ligne hier. Edgar Razafndjavaï succède ainsi au professeur Velayudom Marimutu dont le mandat prend fin aujourd'hui 16 juillet 2024. Madagascar célèbre cette nomination qui intervient 20 ans après celle de Monique Essouavel Manjous, dernière secrétaire générale nommée sur proposition de Madagascar. Dans son allocution, Edgar Razafndjavaï a exprimé sa volonté de poursuivre les projets initiés par son prédécesseur et de servir l'ensemble des États membres de la COI. Examen du baccalauréat. Renforcement des dispositifs de sécurité. Au moins d'une semaine des épreuves du baccalauréat 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se veut rassurant. La composition à leur lueur des bougies pour les épreuves du baccalauréat ne se reproduira plus cette année, promet Fidnia Vravukac, ministre par intérim. Des consignes ont été données aux responsables de chaque centre d'examen pour installer des lampes afin d'éclairer les salles d'examen. Par ailleurs, les dispositifs de sécurisation des sujets et du déroulement des épreuves seront renforcés. Cette année, c'est l'ensemble du gouvernement qui se mobilise pour garantir le bon déroulement de cet examen officiel. Les préfets et les chefs de district vont également collaborer avec les forces de l'ordre.